Je m'appelle Geneva Silla, je suis rédactrice chez Mileis au service succession, côté assurance vie décès. Avant d'intégrer Mileis, j'ai effectué un BTS management des unités commerciales en alternance. Et depuis ce poste d'expérience, je me suis concentrée vers la partie succession assurance vie. Je travaille au pôle succession qui se compose de succession banque et succession assurance vie. Succession banque, eux, ils vont intervenir sur la clôture des comptes bancaires et des comptes titres. Et moi, ma partie, c'est assurance vie décès, donc concernant tous les assurés qui ont des contrats d'assurance vie. Et j'interviens à partir du décès jusqu'au dénouement du contrat. Je gère la succession d'un contrat d'assurance vie. On a en tout premier lieu l'information du décès qui nous provient la plupart du temps par l'intermédiaire du banquier privé ou par nos collègues Succession Banque, encore par les ayants droit eux-mêmes, nous écrivent pour nous informer du décès. Et à partir de ce moment-là où on a connaissance, donc moi je déclare le sinistre dans notre outil de gestion pour désinvestir les supports. Et une fois que la valeur liquidative est connue, je prépare l'analyse de la clause pour établir un courrier à destination des ayants droit pour leur demander les pièces nécessaires au règlement et les informer des démarches fiscales à effectuer. Une fois que nous avons le dossier complet, nous procédons au règlement et l'accompagnement des bénéficiaires. Le projet RMUS, pour automatiser le traitement de nos courriers et faciliter le pilotage de l'activité. La livraison de ce projet est estimée entre la fin d'année et le début de l'année prochaine. C'est la diversité des tâches. Nous avons toujours des tâches différentes. J'apprécie également le dénouement des cas complexes. Donc dans le cas complexe, il faut retenir des clauses assez compliquées avec des bénéficiaires qui ont un patrimoine important. Mes principaux clients sont nos héritiers, donc les ayants droit. On a également des notaires. Ça peut être le trésor public, en interne, ça peut être différents services. Là, un bénéficiaire au départ qui était mécontent du traitement de son dossier et j'ai eu plusieurs échanges avec lui. J'ai pris le temps de l'écouter activement au téléphone. Pour me remercier du traitement de son dossier, il m'a envoyé un mot personnalisé. Et c'est toujours agréable d'être félicité, récompensé pour son travail. Formidable.